Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, Lélon, toponym toponyme d'Artsar, Shahumian, les forces armées de Bakou ont fermé la route guerre d'entre les villages d'Aravno et d'Oter pendant la nuit. Ministère de l'Intérieur d'Artsar. En raison du bloc les habitants de l'Issagor sont privés de potable. En Arménie occidentale, 67 organisations environnementales appellent à lutter contre la pollution de l'environnement par des substances chimiques. Les Alevis de Dersimont célébrer la traditionnelle fête du printemps. La capitale d'Artacha deviendra une réserve historique et culturelle. Comme on le sait, dans le passé, la principale occupation des hommes bochats était le témisage. Les femmes bochats ont un rôle actif dans le soutien financier de la famille. Elles avaient l'habitude de faire de porte-à-porte pour vendre des témis et d'autres petits objets fabriqués par leurs maris, ou simplement demander n'importe quoi aux propriétaires. Et quelles sont les professions des bochats d'aujourd'hui en Arménie occidentale L'un des fondateurs de l'organisation, l'OMDER, a déclaré dans son micro que les bochats vivant sur le territoire de la province D'Ardvin sont principalement impliqués dans les organismes d'infrastructure, travaillent dans les usines de thé ainsi que dans le secteur privé. Il y a des policières, des enseignants et des coordonnateurs de profession. Il y a un nombre particulièrement important d'enseignants ici. Par exemple, plus de 40 enseignants à travaille dans la seule province d'Ardanouj. Mais même ainsi, selon lui, lors de l'embauche dans les secteurs publics et privés du gouvernement turc, s'il existe une alternative, la préférence ne sera pas donnée aux hommes, mais aux personnes apportées on en a d'autres groupes ethniques, quelle que soit leur capacité professionnelle. L'article complet est disponible sur notre site web. La région de Shahumiyan est l'unité territoriale administrative de la République d'Artsar, qui couvre la partie nord et nord-ouest du pays, le centre administratif de district de la ville de Karvachar. La région de Shahomian a une histoire séculaire et riche de nombreux monuments historiques et culturels. Il a été habité depuis l'Antiquité, commentément les monuments antiques trouvés dans la région. Shahomian est situé près du village de Gulistan du district, le monastère d'Amenapurkit à 3 km du village, la forteresse à Moazia en ruine de Gulistan, qui est Autrefois la résidence des Méliques de Gulistan. Des ruines des châteaux, des bâtiments résidentiels et une église ont été préservés Au cœur de la ville de Shahumyan, il y avait l'église Astvazatine. Au sud de la ville, le monastère à moitié détruit de Tsekmanskouk, une église à Buzour, à proximité de Saint-Lieu de pèlerinage de Minas. Église en ruine et la chapelle des martyrs dans le pari arménien. Église à Vernichen, etc. La partie nord-est du district est sous le contrôle des forces armées de Bakou depuis 1992. La population arménienne Locales ont été nettoyées de force et la partie sud-ouest a été remise aux forces armées du gouvernement de Bakou le 25 novembre 2020 en vertu de l'accord tripartite signé par le gouvernement de Yélevan. Ministère de l'Intérieur d'Artsakh. Dans la nuit de 30 mars, les terroristes de Bakonde fermaient l'autoroute Golistepanaket entre les villages d'Aravno et de Terre. Ceci est rapporté par le ministère des Affaires intérieures d'Artsakh. La nouvelle route de Terre-Terre-Kornizor de la région de Sunik, cotourant la route fermée a déjà prête, qui s'est connectée en 2022 sur la nouvelle route Kornizor-Hinchen, mis en service à nous. Les travaux d'asphaltage de la route Terre-Kornizor sont en par la République d'Arménie. La route de Terre-Terre-Kornizor est Praticable et complet tenu de bloc en cours de l'Artsakh, il est possible d'effectuer les approvisionnements humanitaires de l'Artsakh par les casques bleus russes et le comité international de la Croix-Rouge. Cette route, saudie en passant à la frontière de la République d'Artsakh près du pont de la rivière Hakar, est contrôlée par les troupes russes de maintien de la paix, indique le message. Le gouvernement d'Arménie occidentale a évoqué à plusieurs reprises la question des territoires arméniens occupés par les autorités de Bakou et à la politique génocidaire poursuivie par celle-ci de l'autoroute en est l'une des manifestations éclantes. Le gouvernement de l'Arménie occidentale, représenté par le président Armenak Abrahamian, a déjà fait appel aux institutions internationales, exigeant un suivi des décisions qu'elles ont prises. En raison de bloc complet de l'Artsakh par les autorités terroristes de Bakou, la liaison routière de la communauté Lissagor de la région de Shushi avec la capitale Stepanaget a été coupée, ce qui a empêché les spécialistes de la société PB Water Supply de résoudre le problème d'irrigation et de potable du village. Dans une conversation avec le journaliste Artsakh Press, Gagik Nassibian, le chef de la communauté de Lissagor a informé qu'avant la fermeture de la route par les Azeris, des travaux à grande échelle d'irrigation et d'approvisionnement Potable avait été réalisé, mais depuis qu'il était, n'est pas terminé. Le problème de l'eau reste une priorité pour le moment. C'est plus grave que le village soit sous le contrôle de l'ennemi car les jeunes arrivent à survivre en cultivant la terre. Les parcelles proches de la maison sont cultivées, mais il n'y a pas d'eau pour les irrigueurs. Nous avons déjà réussi à semer quelques cultures, explique bien Le maire note que les habitants sont perservables. N'abandonne pas et continuer à construire le village grâce à leur travail acharné. Ce n'est que s'il y a la paix si toutes les préoccupations sont surmontées que nous continuerons à créer avec un plus grand dévouement dans notre patrie généralisée, Gagik Nasibian La République d'Arménie Occidentale, dans sa loi adoptée sur l'Artsakh, a stipulé que l'Artsakh est une région autonome arménienne qui a ses propres organes autonomes. Nous respectons la volonté du peuple d'Artsakh et sommes prêts à fournir toute assistance à notre peuple autochtone. Si nécessaire, au premier appel du peuple d'Artsakh, nous, qui suivons toujours l'évolution des événements, serons là. 77 organisations et syndicats impliqués dans la protection de l'environnement et des droits des animaux en Arménie occidentale occupent un publié une déclaration écrite sur le danger des substances chimiques après le tremblement de terre. Dans la déclaration, il a été souligné qu'il est nécessaire de protéger la nature et la santé des personnes, en particulier du danger de l'amitié présente dans les travaux de démolition après le tremblement de terre. Le communiqué indique que des produits chimiques ont été mélangés à l'air, au sol et à l'eau lors de la démolition de l'enlèvement des dépris de construction. Les exigences mentionnées dans l'annonce sont les suivantes. Les déchets de construction qui en résultat doivent être déversés exclusivement dans des zones spécialement dessinées, sinon les travaux de démolition doivent être arrêtés immédiatement. Un rapport devrait être fourni au public sur la présence d'amiante et d'autres matières dangereuses dans les maisons démolies et endommagées. Les déchets de construction contenant de l'amiante et d'autres produits chimiques dangereux doivent être séparés et éliminés par des méthodes spécialement développées et stockées de manière à ne pas mettre en danger la vie humaine. Ils devraient être créés dans un système paritaire transparent, impliquant les organismes responsables, en particulier le ministère de l'Environnement et de Développement Urbain, les organisations environnementales, les syndicats. Selon la croyance des arrivées de Dersim, les trois premières mercredis de mars sont appelés mercredis noirs et ont une signification particulière. Ces traditions séculaires annoncent l'arrivée du printemps. Ces jours-là, les habitants d'Ori allument des bougies dans leurs maisons et leurs sanctuaires, font des sacrifices et distribuent des sucreries rituelles. Avec ces rituels, les habitants de Dersim veulent que l'année soit bonne et que la force du mal soit explosée. Le 29 mars, dernier mercredi noir, de nombreux Arains se sont rassemblés au confluent des rivières pour le mourir Munzura des dans un sanctuaire qu'ils disent appeler Golachetu, où ils ont allumé des bougies, et distribué des friandises festives à la foule. Un des citoyens à la ville l'a ainsi. Le mercredi du mois de mars, nous venons dans ce sanctuaire pour prier. Dans la quatrième semaine de mars, la nature de réveil, l'automne se réchauffe, ce qui symbolise l'arrivée du printemps. Les adorateurs du soleil viennent ici pour allumer leurs bougies, prier, faire des sacrifices, remercier Dieu et adorer. Ici, les eaux de deux rivières se mélangent. Bien sûr, cet endroit était plus beau. Ensuite, ils ont construit des réservoirs et le qui coule s'est transformé en étang. La télévision d'État d'Arménie occidentale a déjà établi une étude pour couvrir la généalogie des groupes ethniques autochtones vivant en Arménie occidentale et les questions liées au danger de l'assimilation avec une série d'articles d'un auteur du fait qu'ils ont été convertis de force à l'islam, ils conservent encore les coutumes arméniennes de leurs ancêtres. Ces dans la période préchrétienne, lorsque tous les arméniens étaient au soleil et célébraient le réveil de la nature à la fin du mois de mars, qui après le christianisme a coïncidé avec la cérémonie aux chandelles de la célébration de la Sainte-Pâque. Nous examinerons les traditions suivantes selon le calendrier. La réserve historique et culturelle Artachat Capital sera créée sur le territoire de la capitale historique Artachat. Cette décision a été adoptée lors de la session de gouvernement de la République d'Arménie le 30 mars. La capitale d'Artachat, avec ses monuments existants et son environnement historique, est aujourd'hui un monument d'importance républicaine et inscrit sur la liste de l'État. La création de la réserve assurera la protection adéquate de toute la zone du groupe de monuments, la possibilité d'une étude et d'une vulgarisation professionnelle complète l'inclusion de la zone de réserve dans les itinéraires touristiques ainsi que l'utilisation la plus efficace du financement de l'État. Merci de votre fidélité. À la fin de notre mission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.